Le FCJM Champions League, le tournoi de foot le plus incontournable de Bretagne, attend tous les supporters les 19 et 20 mai à Guipry-Messac. Retrouvez le Stade Rennais, le FC Nantes, le FC Lorient, l'En Avant Guingamp et les plus grandes équipes de l'Ouest. Un week-end de football et d'animation, Speed Track Freestyle. La 4e édition du tournoi Champions League, jeunes et seniors, de grands matchs à vivre les 19 et 20 mai à Guipry-Messac. Plus d'infos sur Facebook FCJM Champions League. Un événement Eat West. Notre invité cette semaine s'appelle Jérémy Ricordel. Vous venez nous parler d'un tournoi de foot. La ronde des tournois va bientôt débuter. Et à Guipry, chez vous, à Guipry-Messac, il y en a un très beau, dans un format un peu particulier. Vous avez appelé ça Champions League. Oui, et on va voir l'affiche d'ailleurs, parce que c'est une belle affiche. C'est un beau tournoi. Donc en fait, on reprend la formule type de la Champions League avec les matchs aller-retour, les ballons, la coupe aux grandes oreilles. C'est vraiment la Champions League pour les amateurs. On peut parler du plateau, c'est un plateau de qualité. Oui, exactement. Eh ben, pour la première année, on a 6 clubs pro. Donc uniquement du Grand Ouest. Bon, on n'a pas la prétention de faire un tournoi à l'échelle de la France. Mais si vous pouvez rassembler les plus grands clubs de l'Ouest, ça serait vraiment, vraiment intéressant. Ben, là, on a le FC Nantes, le Stade Rennais, le FC Lorient, le VOC, l'En Avant Guingamp et le Stade Lavallois. Pourquoi est-ce que vous l'avez organisé? C'est un peu de sous, c'est une animation, c'est un peu de c'est tout. Plus, nous, l'idée, c'est de faire vraiment une grande fête du football sur un week-end. Quoi. C'est-à-dire, bon, la Ligue des Champions, pour moi, personnellement, c'est la plus grande des compétitions. Ouais. Et c'est ce qui nous fait rêver chaque année. Quand j'étais gamin, la Ligue des Champions, on faisait ça avec les copains et tout. Et on s'est dit, autant proposer ça aux jeunes. Parce que vous avez aussi une sacrée dotation, hein. Ouais, 5000 euros de l'eau.
Michael Delto.